Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour. Tirage général du jeudi 30 juin 2022. Alors, c'est un tirage général, je viens de le dire, ça ne peut pas te parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, tirage du 30 juin avec Monsieur 32. Tirage en demi-cercle, l'oracle des miroirs, Monsieur Béline et une petite carte pour cultiver l'estime de soi en fin de tirage. Affirmation positive. Alors, le jeudi 30. 30, c'est le 3. Alors, dans le 3, c'est le jour de la communication, là. Là, on nous demande de nous exprimer avec clarté, avec assurance. Le 3, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est la créativité, le développement. Il peut y avoir des bonnes nouvelles dans le déménagement, il peut y avoir des bonnes nouvelles dans la santé, il peut y avoir des bonnes nouvelles d'une procédure, pour les personnes qui sont en procédure. Il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi sur une naissance, une grossesse. En professionnel, ça peut être aussi ben, une bonne nouvelle, un contrat, une offre d'emploi, une augmentation de salaire, une élévation. Côté sentimental. Alors, sentimental, on se doit, en trois, d'être sincère, désintéressé. Le trois, il nous invite à être nature, vrai, sans artifice, à jouer franc jeu, vous voyez. Avec le trois, pour certaines personnes, on peut faire une belle rencontre. Hein. Alors, évidemment, le trois, il a ses traits positifs, bien sûr, on peut être optimiste, joyeux, sociable, intuitif, perspicace. Intelligent, mais le 3, on peut être aussi égocentrique, lunatique, impulsif, une tendance à exagérer, à s'éparpiller, à commencer tout et à ne rien finir. Voilà ce que l'on peut dire avec notre 3, les amis. Alors, jeudi 30 juin 2022, voyons voir un petit peu ce que notre jeu de 32 a à nous dire. Le foyer est mis à l'honneur, la maison. Il y a quelque chose de rapide qui arrive concernant le foyer. Oula, quelque chose qui va vous, qui, à mon avis, un déplacement, une démarche, un petit déplacement. C'est petit, hein, celui-là, de déplacement, une démarche, mais pas très agréable, j'ai envie de dire. Quelque chose, pas, voilà, ça peut être un rendez-vous médical. On va voir. Un petit peu ce que nous retrouvons. Alors, une, trois, hop, vous les voyez? Oui. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a quelque chose de beau, sentimental, on a une réussite, ça peut être une invitation. Oula, vous avez une réussite sur vos amis qui ne sont pas bons. Enfin, ce n'est pas des amis d'ailleurs, c'est des ennemis. Vous avez une réussite sur vos ennemis qui vous bloquaient peut-être ou qui avaient un, il y avait un souci. Il y a un souci autour d'une signature et on voit que ça met à mal hein, d'ailleurs hein, pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais il y a une réussite dessus avec ce 10 de cœur. Là, on est sur. Il y a de la joie, il y a une réussite. Alors, ah bah ça démarre bien, on démarre avec une colère. Bon, bah, écoutez, hein? Une colère pour qui, pourquoi? Pour vous, monsieur. Alors, pour le consultant, pour en tout cas, pour un homme, il y a une colère. Vous pouvez avoir des nouvelles ou être en colère après quelque chose qui vient, qui est de l'étranger, qui est en dehors de chez vous, qui n'est pas dans votre foyer, qui vous touche, qui a de la distance là. Vous pouvez être en colère aussi après un roi de, un roi. Forcément, c'est un roi. Après un homme qui représente une situation étrangère ou qui est même lui-même d'ailleurs du lointain. Hein. On continue. A priori, ça va arriver assez vite, cette colère.
pour vous, mon consultant. Là, on est en présence d'un jeune homme. Alors, est-ce que c'est envers lui que vous êtes en colère? Ou est-ce que ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est cette même personne, hein? Ça peut être vous. Là, on est dans un homme qui présente bien, qui sait bien parler, qui, voilà. Est-ce la même personne? En tout cas, il y a une colère d'une situation qui est du lointain, qui va arriver assez vite. Qui peut concerner votre travail, votre activité, qui peut concerner une petite somme d'argent. Le 9 de trèfle, ce n'est pas une grosse somme d'argent, c'est une petite. Hein. Qui peut concerner une convocation également. Eh oui, vous avez une femme là autour de vous, une commère. Hein. Oui, moi j'appelle ça une commère. Hein. C'est peut-être ça aussi qui va vous mettre en colère. En tout cas, elle ne va pas vous aider. On est sur... Alors, il y a une jeune fille. Est-ce que cette jeune fille, c'est elle qui représente la mauvaise, la commère, la dame pas gentille, j'ai envie de dire? Ou bien c'est tout simplement aussi cette convocation, ce déplacement, ou dans votre travail, ça peut être une chef de service d'ailleurs, hein, aussi, vous voyez comment ça peut vous parler. Ça peut être une responsable de service par rapport à vos projets, par rapport à quelque chose que vous voulez, oui, des projets. En tout cas, il y a aussi une colère pour cet homme. Peut-être qu'il est convoqué, qu'il doit se déplacer. Il a une femme pas bonne autour de lui qui peut fiche en l'air ou qui concerne ses projets. On retrouve bien... alors, est-ce que si c'est vous, si vous avez les cheveux clairs, ou bien une femme aux cheveux clairs est concernée, ça peut être votre sœur aussi, votre amie, votre meilleure amie. On est sur un projet, sur quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi une invitation pour vous, monsieur, dans le domaine typiquement sentimental, avec cette dame. Mais attention, il y a des gens pas bons autour de vous. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, vous allez recevoir des nouvelles de cette dame. Ou si c'est vous qui êtes concerné, vous allez recevoir des nouvelles. Il peut être question aussi de quelque chose que l'on veut démarrer ou d'une invitation. Et vous allez avoir des nouvelles. Il y a beaucoup de figures là. Hein. Il y a, nous avons un homme aux cheveux clairs. Nous avons un homme aux cheveux foncés. Il peut y avoir un couple là. Couples qui vont avoir donc des nouvelles. On va voir un peu si elles sont bonnes ou pas bonnes. Et ça continue avec les figures. Il y a des gens, j'ai envie de dire, on est entouré de personnes là qui ont moins de la trentaine et des personnes qui ont plus de la quarantaine. Dans le domaine activité, démarche, projet, financière également, il y a des gens pas bons. Il y a, là, on a, c'est une dame qui n'est pas bonne. C'est une mégère. Hein. Il y a vraiment... je vais regarder, c'est au niveau des figures, parce que nous avons combien de dames? Une, deux dames. Les valets, une, deux, trois. Trois valets. Les valets, nous sommes, que je ne dise pas de bêtises, discussion, négociation. C'est bien ce qui me semblait. Alors, ou c'est dans le domaine professionnel. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, vous êtes entouré de pas mal de monde. Il y a beaucoup de personnages là. Hein. Et nous avons aussi un, deux, trois rois. Les trois rois, c'est protection. Il y a une belle protection dans vos démarches demain. Si vous avez un rendez-vous, j'ai envie de dire, pour demain, nous avons un rendez-vous. Parce qu'il peut y avoir aussi une personne là. Quelqu'un qui est honnête. Une belle. Vous pouvez avoir fait une belle rencontre aussi. Hein. Nous avons un 8 seulement, nous avons que 2, 10, ouais. Beaucoup de personnages, les amis, pour votre journée de demain. Hein. Ce qu'on est en tout cas persuadé, c'est qu'il y a une colère qui va venir assez vite. Nous avons cet homme à qui vous pouvez faire confiance, mais alors, il est entouré, il a quelqu'un, il a une femme très mauvaise autour de lui. Pas se mentir, ça peut être un homme aux cheveux clairs.
En tout cas, si c'est une rencontre que vous venez de faire de ce monsieur, il a autour de lui, alors ça peut être une ex hein, qui tourne autour de lui, ça peut être aussi dans sa famille, une sœur, une belle-sœur, enfin, vous voyez comment ça vous parle. Il a en tout cas une mégère autour de lui. Vous allez avoir des nouvelles, là, vous allez prendre des nouvelles, ou avoir des nouvelles d'une jeune fille, ou bien vous allez avoir des nouvelles concernant un projet. Là, vous avez des nouvelles d'un projet ou des nouvelles qui peuvent arriver aussi financières et qui peuvent toucher du domaine d'un homme, d'un jeune homme. Ces nouvelles viennent de l'étranger ou elles viennent d'ailleurs du foyer, elles viennent du lointain. Dans le domaine qui peuvent toucher aussi l'activité, il y a également des personnages qui peuvent, donc ça touche l'activité, hein, ou l'argent. Voyez comment ça parle. Nous avons aussi un jeune homme qui présente bien. Hein, ça peut être votre fils, hein, votre meilleur ami. Ça... Et vous, ma consultante, vous êtes proche de cette personne ou bien cette personne est proche d'une dame qui a l'air d'être gentille d'ailleurs, hein, dans le domaine activité. Oui. Et ils sont, donc, si elle l'aide, et je pense qu'elle est bonne, hein, effectivement, il y a un souci de retard, hein, encore une fois, et ça va, bien entendu, vous travaillez, vous minez, mais ce retard, de toute façon, je pense qu'il va s'arranger, parce que nous avons bien la signature. C'est quelque chose qui a dû, on va vous le dire, ou en tout cas, vous y pensez fortement, il y a bien eu un retard qui vous a travaillé, qui vous a miné, et on voit très bien cette signature qui est là. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce que nous retrouvons. Beaucoup de personnages, beaucoup de discussions pour cette journée de demain, des démarches, et attention à une femme pas très sympathique autour de vous. Ou autour en tout cas, alors ça peut être votre fils, ça peut être votre chéri. Voyez un peu. Alors, jeudi 30 juin 2022. Jeudi 30 juin 2022. À la coupe, nous avons. Il y a un retournement de situation sur quelque chose à laquelle vous êtes fortement attaché. Vous avez envie que ça se sépare, il y a une séparation là en vue pour avoir la tranquillité et le retour de situation. Regardez, belle protection, miroir magique, grand coup de chance. Donc même si les choses sont bloquées, même si les choses prennent un peu de retard, j'ai le sentiment que ça va s'arranger. Alors, voilà, alors, on a une superbe élévation, les choses avancent, hein. Vous allez pouvoir, et c'était vos rêves, donc vos rêves vont se réaliser, belle évolution, pour certaines personnes ça peut être dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui est acté, en tout cas qui va être officialisé, alors ça peut être dans le domaine sentimental, on avait des rêves, il y a quelque chose qui va se faire, vous avez peut-être fait une belle rencontre, hein. Ça va être officialisé, peut-être que la personne aussi, pour d'autres personnes, on va acheter, on va se mettre ensemble. En tout cas, regardez, il y a beaucoup de sentiments. Et bien entendu, cette situation, vous êtes montré du doigt, fatalement, vous allez devoir en discuter. Bien entendu. Alors, nous avons un grand oui. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi vos enfants qui sont en train de passer des examens. C'est la période. Nous avons un grand oui pour une naissance, pour quelqu'un, si vous souhaitez avoir un enfant. Nous avons un grand oui pour un nouveau départ. Là, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être sentimental. Hein. Nous avons un grand oui si vous voulez démarrer en tout cas un projet.
vous allez enfin pouvoir retrouver une certaine tranquillité. Bien entendu, nous retrouvons ces jalousies autour de vous. Tout à l'heure, on l'avait concernant votre, éventuellement votre chéri. Hein. Il avait bien sa dame de carreau autour de lui. Ça peut être votre fils, mais ça peut être vous également. Quelque chose va être signé. En tout cas, il y a de la signature dans l'air. Et c'est perçu comme un cadeau, les amis. Et ça touche votre domaine familial. Dans la famille, on va pouvoir prendre une nouvelle direction. Il va y avoir, vous allez avoir le choix là. Sur quelque chose qui vous tient fortement à cœur et sur lequel vous êtes très attaché. C'est acté, c'est signé. Très joli, très très joli. Ça vous avait travaillé forcément ou ça vous avait fait un peu peur. Il y a beaucoup de sentimental dans tout ça. Hein. On retrouve des énergies là très sentimentales. Ça peut être, alors, pour certaines personnes. Bon, je vais recouvrir la dernière. Et on se sépare de quelque chose. Pour certaines personnes, ça peut être du domaine sentimental. Il y a un grand oui. On démarre quelque chose de nouveau. On peut avoir fait une rencontre. Hein. On va enfin avoir la paix. On est tranquille. Bien entendu, on est jalousé. Ça, j'ai envie de dire. C'est monnaie courante, mais on acte quelque chose de toute façon. C'est perçu comme un cadeau, cette rencontre, hein, pour certaines personnes. On va créer sa famille, ou on veut créer sa famille, en tout cas. On va décider, on va prendre une direction. On va faire un choix. On est très attaché l'un à l'autre. On acte quelque chose, on le décide. Bien sûr, ça a fait peur. C'est tout à fait normal, mais on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Et on va enfin pouvoir se séparer, bah, se séparer de ces gens pas bons, de cette jalousie éventuellement. Pour d'autres personnes, il y a un grand oui sur démarche. Ça peut être aussi professionnel, hein. Ça peut être sur une réussite, sur quelque chose que vous attendez en tout cas, il y a un grand oui. On va pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Là, on démarre quelque chose de nouveau pour enfin avoir la paix. Ensuite, bien entendu, on est jalousé. Normal, forcément, il y a toujours ce type de situation. Mais on signe quelque chose. Hein. On signe quelque chose qui est perçu comme un cadeau. Ça peut aussi concerner, toucher la famille. Voyez voir. Pour certains, il y a peut-être aussi que c'est la famille. Il y a de la jalousie dans la famille, hein, parce que je vois qu'elle est bien collée là. On peut prendre un chemin différent. Enfin, on va prendre une nouvelle direction sur quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Et on va pouvoir signer, on acte, on décide quelque chose. On se sépare enfin de cette situation qui n'était pas bonne. Il y a émotionnellement, on est vraiment touché, forcément. Ça nous touche et on va pouvoir, on prend une nouvelle direction, on se sépare de quelque chose. Très joli tirage, les amis. Oh, je vais juste en mettre une sans jalousie, mais et encore. Très, très beau tirage, que ce soit sentimental ou pour vos projets. Bah oui, jalousie, on s'en fiche, vous voyez. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Ça ne vaut pas le coup, j'ai envie de dire, de se rendre malade pour ces gens-là. Voilà, en tout cas, ce que l'on peut voir avec Monsieur l'Oracle des Miroirs. Alors, on va prendre trois cartes avec Monsieur Béline pour voir un petit peu. Hop. Trois cartes, Monsieur Béline, pour notre jeudi 30 juin 2022. Monsieur Béline, jeudi 30 juin 2022. Jeudi 30 juin 2022. À la coupe, nous avons discussion vive, procès, il y a de la méchanceté. Eh ben oui, on va peut-être pas se laisser faire, forcément. Vous allez, pour certains, peut-être emmener des gens méchants au tribunal. Hein, ou vous avez emmené des gens méchants au tribunal. Hein. C'est possible aussi, ça.
Mais vous allez avoir du bonheur, de la chance, et c'est bien dans le foyer. Alors, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que c'est vous au niveau foyer, maison, famille, qui êtes confronté à de la méchanceté? Est-ce que c'est dans la famille qu'il y a de la méchanceté? En tout cas, voilà. On voit que de toute façon, il y a du bonheur, il y a une réussite. Alors, trois cartes. Une, deux, trois. Ah, bon. Réussite. Ça ressort, destinée, regardez les amis. La grâce, c'est pas beau ça? Très belle protection, d'en bas, d'en haut. Et ce que vous allez dire, ce que vous allez faire est reconnu. Je ne recouvre pas, c'est tout simplement magnifique. Vous avez la clé, les amis, pour votre journée. Vous seul décidez où vous allez aller, ce que vous allez faire. Vous avez une belle réussite, une super protection, double protection, en bas, en haut. Et tout ce que vous allez dire, faire, il va être reconnu. Ce que vous allez dire va être entendu. Ce que vous allez faire va être reconnu. C'est la renommée. Voilà, les amis. Nous allons prendre notre petite carte pour l'estime de soi. Alors, affirmation positive. Je m'applique à vivre conformément à mes propres valeurs. Il est beaucoup plus facile de se conformer à des valeurs auxquelles on adhère profondément que d'obéir à des préceptes qui nous semblent obsolètes et beaucoup plus épanouissants. C'est tout à fait vrai. Je m'applique à vivre conformément avec mes propres valeurs. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parle ou vous aidera. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Merci pour votre présence, votre soutien. C'est grâce à vous si la chaîne grandit, existe. N'hésitez pas à partager, à mettre un pouce j'aime. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée et je vous dis à demain.